Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous découvrons comment créer un média sur la plateforme Spotit. Par média, nous entendons un site mobile, aussi appelé landing page, que vous pourrez intégrer sous le format d'un lien cliquable dans votre SMS, ou un emailing, aussi appelé newsletter, que vous pourrez utiliser pour l'envoi de votre campagne email. Dans cette vidéo, nous allons voir les fondamentaux de la création de votre média. Vous trouverez dans un prochain tuto comment ajouter des fonctionnalités avancées, grattage, formulaire, etc. Pour démarrer la création de votre modèle, cliquez sur « Création » puis sur « Modèle ». Dans notre exemple, nous allons créer un site mobile pour la marque Mon Resto qui souhaite communiquer à ses clients la sortie de sa nouvelle carte de menu. Cliquez ensuite sur le bouton « Plus » pour créer un nouveau modèle. Sélectionnez « Site mobile ». Tout d'abord, nommez votre modèle. Vous avez trois possibilités. Commencez votre création depuis un modèle vierge. Choisir un site mobile partagé si votre compte parent vous a partagé des modèles. Ou commencer à partir d'un des modèles disponibles sur la plateforme. Classé par secteur d'activité. Ici, nous allons partir d'un modèle vierge. Cliquez sur « Créer un nouveau site mobile » et poursuivre dans l'éditeur. Sur l'écran, notre outil de création. La première étape, l'ajout de vos structures. L'outil fonctionne avec deux grandes notions, des structures et des modules. Une structure sert à déterminer le nombre d'éléments de modules qui seront présents sur une ligne. Par exemple, si vous souhaitez ajouter sur la même ligne un texte et une image côte à côte, il faudra donc sélectionner une structure à deux colonnes. Avant la deuxième étape, l'ajout des modules, nous vous conseillons de construire la disposition générale de votre site mobile. Pour ajouter une structure, placez votre souris sur la page de création et cliquez sur le bouton « Plus ». Choisissez ensuite le nombre de colonnes souhaitées. La deuxième étape va être l'ajout de vos modules dans vos structures. Glissez le module de votre choix dans la zone de la structure souhaitée. Dans notre exemple, nous allons ajouter le logo de la marque, une image, du texte et des boutons d'action. Pour le logo, nous allons importer une image. Dans le module texte, vous pouvez ajouter le texte de votre choix. Vous pouvez ensuite choisir la police, modifier la taille et choisir la disposition de votre texte. Vous pouvez également modifier son apparence en vous rendant sur l'onglet Apparence, définissant l'espacement ou une couleur de fond. On va ensuite ajouter l'image principale du média. Et pour terminer, un bouton renvoyant vers un lien externe pour permettre au client de découvrir la carte en ligne. Vous pouvez enregistrer votre modèle. Vous avez également la possibilité de créer d'autres pages qui seront ajoutées à votre site mobile. Vous savez maintenant comment créer un site mobile ou une landing page en y ajoutant les éléments essentiels, pratiques pour enrichir votre communication par SMS et offrir une expérience utilisateur à vos clients aux couleurs de votre marque. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le niveau supérieur et la découverte des modules avancés. Grattage, formulaire. À très vite !